Et des doubles Giroux. Oh, oh, mais ce n'est pas tout. Il y en a donc un sur deux qui est un imposteur. Ne t'inquiète pas, sournois, il ne saura jamais c'est nous. Puisqu'ils sont identiques vus de l'extérieur, il faut trouver ce qu'ils sont à l'intérieur. En clair, mesurer leur bonté. Alors je vais les confronter à deux épreuves très simples. Première épreuve, le partage. Cette viennoiserie que j'ai dans la main est une irrésistible et délicieuse petite brioche au goût de framboiseille. Je vais donc décider de la tendre tout d'abord à... C'est oui-oui. Alors, oui-oui, si c'est bien là ton véritable nom, que vas-tu faire de cette délicieuse petite brioche? Je partage toujours tout avec mes amis. C'est pour toi, Miro. Merci beaucoup, oui-oui. Oh, ah, c'est charmant. Alors, toi, oui-oui, si c'est bien là ton véritable nom, que vas-tu faire de cette délicieuse brioche? Oh, Non, eh bien, ce n'est pas précisément le partage tel qu'on le pratique par ici. Vous voyez, c'était bien nous. C'est ce que vous dites, mais la loi ne tolère aucun doute. Voyons comment vous faites à la deuxième épreuve, la gentillesse. Très vite, oui-oui se cogne le gros orteil, comment réagis-tu? Oh, mon pauvre oui-oui, ton pied te fait mal. Non. Oh, je suis très heureuse. Très vite, oui-oui a glissé sur une tache d'huile et tombé du haut d'une falaise, a fait une chute de 1000 mètres pour atterrir en plein sur un gros cactus. C'est bien fait pour vous. C'est pour toutes les fois où vous m'avez tiré les oreilles et fait un œil au beurre noir et transformé le nez en patate rouge. Si, moi, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai, menteur. Moi, non, mais c'est pas vrai. Conformément à mes soupçons, ce oui-oui et cette Miro n'ont pas la moindre bonté en eux. Les imposteurs sont ici. Attends un peu, gros soisson, et je m'occuperai de toi. C'est pas ma faute. C'est lui qui t'a fait tomber de la falaise. Putain, c'est ce que je pensais. Il faut courir, sournois. Je vous suis, monsieur Fignot.